Avec diffusia.fr, retrouvez une page d'histoire. Charles-Louis Napoléon vit le jour le 20 avril 1808 à Paris. Il était le troisième fils de Louis Bonaparte, roi de Hollande et frère de Napoléon Ier et de la reine Hortense de Beauharnais, fille de l'impératrice Joséphine. L'impératrice Joséphine ? Mais c'était l'épouse de Napoléon Ier ? Oui. Hortense était née du premier mariage de Joséphine avec le vicomte Alexandre de Beauharnais, qui fut guillotiné en 1794, sous la Terreur. Napoléon Bonaparte, jeune général prometteur, épousa Joséphine le 9 mars 1796. Le jeune garçon avait 7 ans lorsque ses parents divorcèrent. Il faut dire qu'ils ne s'étaient jamais bien entendus. Leur mariage avait été imposé par l'empereur. La garde de celui qu'on appelle plus généralement Louis-Napoléon fut confiée à sa mère. À la chute de l'Empire en 1815, Hortense et son fils prirent le chemin de l'exil. Hortense s'installa en Suisse avec ses deux fils. Louis-Napoléon fut élevé par sa mère dans le culte de son oncle. En 1831, il fut admis à l'école militaire de Thun. À 26 ans, il obtint le grade de capitaine d'artillerie ainsi que la nationalité suisse.